Voilà. Et donc si on passe par là. Tiens. Oh! Donc si on passe par là, on revient à la à rentrée. Avec les monstres qu'on va pop d'ailleurs. Vous voyez. Mais donc ça ne nous intéresse pas pour le moment. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est... Ah là! Deuxième symbole de l'arche de la zone. Ça fait plaisir. On va se retaper le chemin en mode speedrun. Non, rien à foutre. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, mais non, je vous le dis, j'en ai cure. J'en ai rien à péter. Vous ne mourrez jamais. Et on va donc faire la troisième et dernière quête pour le moment de la zone. Ah, ça fait une heure d'enregistrement quand même là. En plus je peux tester mon nouveau micro. Un tour de Wagonay. Un message de la responsable de l'exploitation minière de Dal Amelia Arquette. Je le répéterai pas. Votre boulot, c'est d'escorter la roche jusqu'au broyeur de minerais, puis de livrer l'iridium à votre superviseur. Pour ceux qu'on surprend à voler le minerai sur le site de forage, c'est une balle dans la tête. Trouver un wagonnet. Juste vérifier que l'autre quête, c'est bon, c'est réglé. C'est bon, c'est réglé. Des fois que j'ai pas assez tué des minoptères, mais bon. Il y aurait eu quand même relativement peu de chance. Là, c'est beau quand même. Hein. Donc oui, c'était là-haut qu'avait la que Sanctuary était à la base. Un, deux, trois petits chats. C'est ridicule, je sais. Oh, une minute. Ceci est une antique machine de Dal. Vous aviez le regard fixé sur vos pieds comme une poule devant un tournevis lorsque Sanctuary a décollé. Alors vous ignorez sans doute que la société Dal s'intéressait de près aux ressources de Pandore à une époque. Donc on va pousser le wagonnet jusqu'au broyeur. C'est bon, ça avance ? Ça avance. C'est-à-dire quoi ? Le mec il sort la tête. C'est bon, ça va? Ouais, ça va. Ok, je pousse. Et bientôt niveau 21, on va gagner 2 levels pendant cette session. Et on pourra utiliser enfin mon sniper électrique de la mort. Ah, bonjour! Putain, il y a des balles qui ricochent dans tous les sens! Waouh! Ça pique les yeux. Ah, ça pique les yeux, ça fait mal. Je vais crever. Hyperion espère que vous avez appris de votre mort, mais vous assure de son soutien. Commettez la même erreur. N'importe quoi. Aïe, ça pique. Mangez ça! Mangez encore ça! Je vais faire ça, lancer des grenades auto-guidées sur les ennemis qui sont derrière moi.
Ah, il s'est juste arrêté là, wagon. J'ai pas été plus loin que ça. Ah, dèche. Je suis de retour. Et effectivement, une balle ricoche comme pas possible de tout. Voilà. Deux beaux problèmes en moins. Et plein de pognon en plus. Vraiment, les cristalliques vous donnent ces quantités de pognon. Je pense que je vais rester au fusil à pompe pour le reste de cette histoire. Ok. Vous êtes toujours à escorter un wagonnet vu votre monumentale surqualification pour les travaux de la mine. Formidable. Je reprends mon histoire. Les mineurs de Dalle avaient des difficultés à exporter l'iridium hors de la planète. Et la société Atlas est venue les concurrencer. Il se trouve que les rumeurs de l'Arche se répandent vite à travers les galaxies. Les pommes d'ennemis, bien sûr. À la poutre! Oh bon, d'accord, ok, ça fait mal un peu quand même. Ça rappelle un peu Minecraft. Encore. Numéro 2, veuillez ouvrir le sas. Encore Minecraft. Parce que pour ceux qui n'ont pas joué à Minecraft dans les premières heures, si vous vouliez remonter à wagonnet, il y a des fois le plus simple c'était encore de le pousser. En fin de compte, Dalle a battu en retraite quand la lance écarlate est apparue avec ses énormes pectoraux. Le problème, c'est que la société Dalle avait fait venir de nombreux employés, dont moi, et n'a pas pris le temps d'évacuer tout le monde. Les bandits que vous combattez étaient autrefois des pères de famille, des ouvriers, des scientifiques. Elle nous a volé nos vies. Enfin bon... De l'être d'honnête père de famille à virer bandit SM, moi je retrouve pas d'excuses personnellement. Ouh, il m'a du bon. Cadeau. Donc, bah. Chez. Bah, niveau 21. On va rentrer là-dedans, il serait tranquille. On se calme là. Bon. Ils me font chier. Cadeau. On va d'abord commencer par fouiller un petit peu. Ah merde, c'est un brutal. T'en fais pas, j'ai ce qu'il faut pour toi. Rien ne me surpasse. Je fonds. Roger Rabbit, pour ceux qui ne connaissent pas. Ah oh bah j'ai mon terre-plein. Non, ce rechargement quoi. Compétences. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Les flingues, merveilleux flingue. Passe en rafale lorsqu'on zoome, ouais, si tu veux. Alors,
Bon, ce flingue-là est complètement craqué du cul. Yep. Mais ça consomme 2 balles à chaque fois, donc bon, c'est pas génialissime non plus, quoi. Salut. Ça, je vends. Ça, du coup, je vais l'utiliser maintenant. Et mon chat qui miaule. Ah, là, du coup, vous allez bien l'entendre. C'est-à-dire, c'est de la merde. Ça, du coup, bah, je l'ai beaucoup mieux, hein. Ça vaut plus tripette, ces trucs-là, quand même. Ninja physique, tout facile. Ah si, c'était de la merde. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu veux, la grosse? Ah, la bête transfusion. Ah mais moins de fragmentation et ça fait pas de dégâts de feu. Bah voilà, c'est de la place. Ne vous faites pas tuer. Alors j'ai m'équipé du sniper électrique à la place du machin là. Ah mais c'est un hyperion. Ouais mais une fois que je vise, pas de problème. Ah, puis oui, donc si on passe par là, on retourne ici. Hop, hop. Tout au long de la journée, Michel fait moi travailler pendant que je rêve de liberté. Je le fais très mal. Je tends la cheviette et la bobinette, chère. Hop, 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 hop. Je pousse jusqu'au moyeu. Avec le wagon. C'est quoi ce truc? Ah, c'était moche ça. C'est comme s'il a fait mal à ce con. C'est pas le flingue plus adapté pour ces bestioles là quand même. Non, ça manquait de balles de fusil à pompe avec ces conneries. Hein. Et c'est super moche. Ah, en fait, c'est une broyeur, donc je sais pas ce que c'est cette texture qu'il y a derrière. Là. Bon, ramasser l'iridium. Je ne voudrais pas polluer votre victoire minière avec mes pensées profondes, mais il existe sûrement un lien entre cette arche maléfique et les impressionnantes réserves d'iridium sur cette planète. Un jour, j'espère découvrir le fin mot de l'histoire, puis, ultérieurement, inventer une danse sur le thème des éternuements. Tiens, Ruskin. Dégâts critiques équipe. Voir ce que c'est, les bonus que ça donne aussi. J'adore ce fusil à pompe. Sors de là. Pfff.
C'est quoi ce truc vert là, tiens? Escorter le wagonnier jusqu'au broyeur. Ah d'accord, c'est pour la fin de quête. Alors voyons voir. Je crois que j'ai chopé des trucs intéressants. Bon, j'ai le skin, hein. Alors voyons voir, comparons. Ah ben, mon bonus actuel. Pourtant j'ai des bonus de classe. Bref, je gagne chaque fois, je gagne 2% de dégâts critiques pour toute l'équipe, y compris moi du coup, même si je suis tout seul. Donc, on va pas cracher dessus. Et donc mon ancien truc me donnait pas de bonus compétences, il me semblait. Ah, bien! Bien, 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 ça me donne un bonus pour ça, c'est pas mal. Plus 3 points de compétence en plus, mode de casse tueur. Ça fait quand même un sacré bonus au niveau coup critique, quoi. Et vitesse d'enchargement en plus. Bah, 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 bah. Et là, c'est... Votre bouclier vide les dégâts de vos armes et de... Et votre gain de tir augmente. Ouais, c'est pas mal. J'aurais pas mis de niveau dedans d'ici à ce que j'ai besoin d'en changer de bouclier, mais pas de bouclier de mode de classe, mais. Je dis rien que le bonus au niveau dégâts critiques que ça me donne est juste complètement power. Ah, et j'ai pas mis le filtre anti-pop, donc ça va lui faire un gros pop. Tu seras mis sur partir. C'est de la merde, mais bon, ça se peut se revendre. Hein. Par contre, oui, j'ai vu un coffre au bout. Ah bah lol. Ah ! Putain. N'importe quoi. Mais... Queen, salope ! Queen ! Aïe! Aïe! Résistance au slug. À la faute. Et c'est quoi sérieusement ça? C'est une texture qui a bugué? J'imagine que oui. Oh. Oh putain, c'est vrai. Là pour le coup, ça ressemble vraiment le Kalashnikov. Chargeur. Bah, il y a même des capacités que l'arme précédente là avec la Gatling, sauf que il n'y a pas besoin que ça tourne. Et ça, c'est bien. Bah, c'est à peu près le fusil sniper que j'ai revendu tout à l'heure. Ah, pas son rafale par contre, celui-là. C'est un peu moins bien. J'ai vraiment pas le mode rafale pour un sniper, ça. On a pas déjà beaucoup de balles pour un snipe. Alors en plus, si on commence à en balancer dans le vide. Ouais bon, l'appel du coffre est trop fort. Ceci, ça peut servir. Ça peut servir, c'est de l'acide. Bon. Bah allez, de toute façon j'ai de la place. Il y a une porte là. Ah bah c'est la sortie en fait. D'accord. Crève. Ah. Ah puis on vient là, d'accord, ok. J'ai juste reviens en arrière parce que... Bah, si je peux, je peux. Ce qui m'a semblé avoir vu un passage en haut, à côté du coffre, à gauche. Alors il y a une légère zone encore inexplorée, mais en fait on ira que beaucoup plus tard, pour une espèce de chasse au trésor.
Il faut vraiment que je commence à finir cette session, là, donc, là. Je vais me faire défoncer. Ah d'accord. Il y avait plus ou moins deux sorties. Ouais, c'est ça, vous êtes très méchant. Brûlez, salope. Ah ouais. Et retour à Sanctuary. Merde, j'ai oublié la quête de bleu. Spawn. Non, ce serait vraiment trop con. Par contre, je vais me faire défoncer parce que je... Parce que du coup, je ne travaille plus en ce moment. Mais du coup... Ça veut dire que ça revient à moi la tâche de mettre la table et tout ça. Et si je ne fais pas, eh ben... Je vais me faire défoncer. Déjà que ce week-end, ils ont pas apprécié quelque chose que j'ai fait. Plutôt que je n'ai pas fait. Oh, puis merde, j'ai raconté ma life. Si vous voulez, en fait, depuis que j'ai eu mon permis, je suis devenu le chauffeur, livreur, la poste, de la putain de baraque, quoi. Et donc, de temps en temps, je dis non, je vais pas, j'y vais pas, vous vous démerdez, c'est vos problèmes. Et là, apparemment, ça leur a pas plu du tout que j'ai pas en. Allez, crevez, merde, je peux grimper. Ça n'a pas pu du tout que je n'ai pas déposé ma sœur à la putain de gare qu'elle pouvait y aller en bus. Ça me prenait une putain de demi-heure. Ce qui est le temps que ça me prenait pour faire l'aller-retour. Donc j'ai dit merde. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un week-end tranquille. Donc elle a pris le bus et ça n'a pas pu du tout au père. Voilà. Je raconte un peu ma life. Mais bon. C'est juste que de toute façon, sinon vous allez demander pourquoi, machin. Et que là, ça me posait pas trop de problème d'en parler. C'est pas un truc super giga important. Par contre, je vais prendre ce flingue là. Ça fait plus de dégâts. Ah, le coffre! Oh, une grosse bestiole! Et donc, voici bleu! Le fameux... cristallique dont on entend parler pendant l'enregistrement. C'est pour ça que je voulais... Et voilà, il se couche. Limbe, en grosse souffrance. C'est pour ça que je voulais d'abord écouter ton enregistrement avant de m'occuper de ce truc. Hop hop. Ça, ça vous permet de comprendre le pourquoi du comment et puis tout ça. Ça, c'est buggy. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Tu as trouvé le coffre ? Dieu merci. Ouvre-le et rapporte-moi son contenu, vite. Salut, Nounou ! Coucou, trésor. Alors, tu as trouvé des photos un peu osées de moi ? Rapporte-les-moi plutôt que de les rendre à mon troisième ex-mari. Tu ne le regretteras pas. Et rince-toi l'œil pour commencer. Ça ne me gêne pas du tout. J'adore Moxie. Ah, et si on va là-bas, je crois qu'il y a une référence à je sais pas quel jeu vidéo. Peut-être Dark Souls. Je sais plus. Mais bon, faut déjà pouvoir réussir à aller jusque là-bas, quoi. Parce que l'acide, en fait, vous avez les mêmes dégâts, quel que soit votre niveau ou votre résistance à l'acide, je dis pas de bêtises.
pourra vite se casser. Je vais rendre les quêtes. On va aller voir Moxie parce que je préfère Moxie. Et il me semble que c'est elle qui donne la fin. Je vais juste rendre des quêtes, on va pas faire la vente des flingues et tout tout de suite. Bon, je vais crever. Bon, allez, hop. Je suis en train de loucher encore sur le micro, moi. Petit étirement. Sanctuary, 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 sanctuary. Vite, vite, vite. Par contre, encore une fois, bravo la poste, hein. Je suis quasiment sûr et certain qu'ils ont dû ouvrir mon colis parce qu'il y a du gros scotch la poste partout autour du colis Amazon. Et qu'il était en un sale état. Vraiment, je sais pas ce qu'ils ont sur la poste chez moi, mais c'est vraiment pas ça. Chérie, je suis rentrée. Mon Dieu, un chasseur de l'arche. Merci. Alors trésor. Toutes ces légendes sont vraies. Je pensais les diffuser sur les connettes. Putain de merde. Moxie, 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 je t'adore. Et faut vraiment que j'achète ce. Et voilà, fusil à pompe de la mort. C'est parce que je pensais. Bah, on a déjà un fusil à pompe de la mort en fait. Bon, on va voir ce que ça donne dans une prochaine session, comme j'ai dit. Vous avez découvert comment l'innocence des cristalliques avait été bafouée dans le sang. Vous ai-je déjà exposé mon hypothèse selon laquelle l'homme est le vrai monstre ? Inutile, non ? Oui, je pense que tout le monde sait que oui. Voilà quoi. Ah, des vaches dessus ! Eh ben non, pas maintenant. Non, ouais, je vais vraiment finir cette session-là. Parce qu'il le faut. Donc, moi sur ce, je vous dis à plus tout le monde, mangez des pommes, venez les, très bien. Vas-y sur matest.com ainsi qu'à matest.exe.fr, sans oublier matest.com, la chaîne de la communauté Matest où sont disponibles toutes les vidéos de la communauté. Faites un tour sur Facebook et mon Twitter si ça vous éclate, et pensez au pouce vert et à partager les vidéos. Ça fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Et on vient de me sonner. Allez, salut.